Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix dans le domaine sentimental, d'où le petit rose que j'ai mis par-ci par-là. Donc, on va répondre à la question, est-ce que ce lien est viable? Est-ce que c'est durable entre vous? Est-ce que ça vaut la peine de persévérer? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que de part et d'autre, il y a, on va dire, une inscription dans la longévité? Parfois, il y en a qui veulent que ça dure et d'autres pas. Donc on va aller voir tout ça, les cartes vont répondre. Sachez que là, elles ont à moitié déjà répondu, hein, mais on va développer tout ça. Alors, avant de démarrer et pendant que vous faites votre choix éventuellement, il y a un code promo sur mon site web HBD37, donc H comme Honoré, B comme Béatrice et D comme Damien. Voilà, donc 37 pour mon anniversaire qui arrive bientôt. Donc ce code promo est valable jusqu'au 20 juin. Et ça vous permet de bénéficier d'une réduction sur les tirages commandés en boutique. Donc je vous mets le lien en dessous si vous avez envie d'en bénéficier. Voilà, et au moment de la commande, bien sûr, vous mettez vos informations, date de naissance, la question ou le domaine choisi. Voilà, il y a une variété de choix quand même, hein, vidéo, pas vidéo, donc c'est en vocal ou filmé. Et puis, je vous envoie ça dans la journée. Il y a un délai de traitement entre 3 et 5 jours, voilà. Et puis, sous réserve de stock, parce que je peux pas non plus répondre à tout le monde. Donc, il y a un temps, enfin, un petit temps, voilà, c'est premier arrivé, premier servi en réalité. J'ai toujours, voilà, je vous montre pas parce que c'est confidentiel, mais mon petit carnet où il y a tout noté, donc je ne risque pas de vous oublier. Donc c'est parti, on y va. Choix 1 à gauche, choix 2 au milieu et choix 3 à droite. C'est parti, alors je vais mettre le choix 3 ici, le choix 2 ici, comme ça je risque pas de les mélanger. Alors je la lirai à la fin, tout simplement parce que j'ai envie de développer avant de voir la réponse à la question. Alors on va déjà étudier un petit peu les énergies. Alors là, voilà, celle-ci. Déjà, on a là l'étoile et l'huit de bâton qui ont voulu venir, hein, qui ont voulu se greffer. Mais je vais prendre celui-ci pour démarrer. Alors, choix numéro 1. Quelles sont les énergies? Je pars vraiment sans rien. Enfin, voilà, juste avec une carte. J'ai pas vu la teneur forcément voilà, des autres, puisque là, cette fois-ci, je fais différemment. Alors, choix numéro 1. Route fortune, la tour, ouais, ça pulse, hein, là, c'est sûr, ça pulse. Alors, on a le 5 d'épée à l'envers, information très importante ici, je développe ça après. Ensuite, pour terme, s'il vous plaît, le pendu, ok. Oh, impératrice, reine de denier, d'accord, j'ai une info pour vous, ok. Qu'est-ce qu'il voulait sortir? Quel est le bâton? La lanterne, s'il vous plaît. 5 de denier, 2 d'épée. La synthèse. 8 de denier. Alors, ce lien, il vous fait travailler. Ça, voilà, c'était la chose la plus évidente à dire. Il y a du travail sur le degré d'attachement, je dirais, et la propension à pouvoir faire avec, parce que là, on a du 2 d'épée, on a du 5 de denier, donc c'est vraiment prendre les choses comme elles viennent. Là, il y a une grosse dispute, mais il y a réconciliation possible avec un 5 d'épée renversé. Vous êtes, je dirais, en train de travailler la blessure d'humiliation. 5 d'épée, 5 de denier, on est dans l'évolution nécessaire. Sauf que il y a une posture là à, comment dire, à clarifier, voilà. C'est le 2 d'épée, on va pas dire qu'il y a une hésitation, est-ce que je reste, est-ce que je pars, machin, vous n'en êtes pas là. Pour moi, vous êtes plutôt dans, ok, maintenant je dois me situer dans, on va dire, le rapport que j'ai à moi-même. On a la reine de denier, la reine de denier, elle parle d'épanouissement, elle nous parle de prendre soin de soi, de capitaliser sur ses énergies, de ne pas les disperser par mons et par vos, à n'importe qui. Mais alors, on n'a pas encore la réponse à la question. Là, pour l'instant, on vous dit, il y a une vision à adopter, un autre point de vue avec le pendu qui
permettra de faire bouger les choses. Alors les choses, elles sont toujours en mouvement. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'est pas là. Mais ça vous fait travailler. Alors, je vais pas dire l'autonomie affective, mais plutôt la propension à revenir à soi. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe, il y a l'idée de « Ok, bon, je peux rien faire dans cette situation, je dois l'accepter, je vais revenir à mes énergies, à moi. » Et ça, c'est un travail au quotidien. Hein, avec le 8 de denier, il y a vraiment ce côté « je travaille sans relâche, continuellement ». Il y a de la persévérance avec le 8 de denier, hein. Il y a vraiment l'engagement à continuer à maintenir les bonnes pratiques, c'est-à-dire les pratiques pour vous qui fonctionnent. Imaginons votre autre ne va pas bien, au lieu de vous en mêler ou de vouloir qu'il aille mieux, vous allez dire bon bah c'est une phase pour lui ou pour elle, moi je vais lui envoyer de bonnes énergies et je m'occupe de moi, je vais vaquer à mes occupations. La personne, si elle me répond pas, c'est pas bien grave, je vais pas chercher à ce que ça s'améliore tout de suite, je vais accepter la situation. Ce qui fait que là, la personne qui vous a rejeté, je pense qu'il y a eu du rejet hein, dans ce lien, eh bien en fait, elle est en train de voir aussi les choses différemment. Tiens, mon autre, donc ça c'est votre autre qui parle de vous, et qu'à mon autre est capable de s'occuper d'elle ou de lui-même. Voilà, elle est plus dans mes pattes, il est plus dans mes pattes. Et je pense, là, au vu du tirage, que elle va très vite conscientiser hein, votre importance, enfin l'importance que vous avez dans sa vie. Alors, on va compléter avec un autre tarot. Oh, je vais réussir à tout prendre d'une main, oui, sans tout faire tomber. Alors, choix numéro 1, on va compléter. Donc, roue de fortune, c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Même si vous ne le voyez pas, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? 10 de bâton, alors 2 10, hein. 10 de bâton, 10, la roue de fortune. Oui, à la fin d'un cycle. Et regardez, hop. Je dirais qu'il y a la fin aussi du fait que ce soit laborieux dans votre relation, dans vos relations, voilà, plus globalement. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui a été travaillé, en tout cas ce lien vous a fait travailler. Peut-être que c'est aussi le moment de vous dire, bah, il est temps d'en profiter, parce qu'il y a encore des peurs, hein. Il y a encore, au niveau du mental, comme je disais, une posture à clarifier, c'est-à-dire je ne peux plus penser comme avant, puisque je ne suis plus la même personne, puisque j'ai travaillé, puisque j'ai développé de la confiance en moi, etc., etc. Donc là, à vous, je dirais, d'adapter aussi le discours, la pensée. Donc, que fait une personne qui a confiance? Que ne fait pas une personne qui a confiance? Parce que le 2 d'épée nous montre qu'il y a encore une petite... Je ne vais pas parler d'hésitation, encore une fois, hein. Vous savez très bien ce que la personne vaut à vos yeux, mais on va dire que pour prétendre à de la durabilité, etc., il y a encore un petit peu de travail. Mais moi, j'y crois. Alors, on va voir. 5 d'épée à l'envers. Ah, 8 de denier. Donc, 2 fois du 8 de denier dans votre tirage, je ne peux que vous féliciter, parce que le 8 de denier parle de vraiment de se consacrer, de se dédier à quelque chose, d'être diligent dans une tâche, dans une mission. Donc, vous vous êtes donné pour mission de vraiment capitaliser sur vos énergies, de vous occuper de votre bien-être, et c'est pas forcément facile. Il y a des fois... Alors, je ne vais pas parler de syndrome ou de comportement, mais on peut être maternant, on peut faire à la place de l'autre parce qu'on est arrangeant, parce qu'on est bienveillant, parce que ceci, parce que cela. Mais là, c'est hop, je reprends mes énergies. L'autre personne a son individualité, a ses choses à régler, a ses propres blessures, a sa propre mission d'âme, mission de vie, peu importe. Et du coup, ça permet aussi de... Comment dire ? De susciter le respect, puisqu'elle voit bien que je la respecte, elle voit bien que je respecte son espace. Ça a été du travail, parce que dans une blessure active, hein, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Tiens, je vais faire à la place d'eux pour lui montrer qu'elle a raison de rester à mes côtés, parce que j'en vaux la peine.
Et du coup, la personne, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à me prouver? Elle n'a pas confiance en elle ou quoi? Vous voyez? Donc ça peut générer de la méfiance, ça peut générer du rejet, ça peut générer en fait de la répulsion au lieu de l'attraction. Donc là, vous reprenez votre énergie pour redevenir magnétique et il y a une réussite. Voilà, il y a vraiment ce côté, je boucle tout ça, je n'ai plus ce besoin constant de me rassurer en étant là pour l'autre, pour qu'il voit que il a raison de rester à mes côtés. J'ai de la valeur, j'ai rien à prouver. Point. Voilà. Je peux pas le dire plus simplement. Voilà. Alors, le pendu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Ah, As de denier. Il y a des opportunités. Il y a des. Ouais, on vous demande de pas vraiment. Enfin, c'est pas qu'on vous demande pas de réfléchir, mais là, on vous dit, vous pouvez vous reposer. Il y a de la chance, hein, avec la roue de fortune, l'as de denier. Il y a ce degré, il y a ce facteur, en fait, opportunité. Ça va, en fait, vous ne pouvez pas prévoir. Là, il y a de l'ancrage aussi, hein, je vous le dis, mais il y a un travail sur le chakra racine avec le denier, avec la solidité, la sécurité. La sécurité, ce sentiment de sécurité, en fait. Et le sentiment de sécurité, c'est parfois de s'en remettre à l'invisible. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas là. C'est juste des événements, des enchaînements de circonstances, des concours de circonstances qui s'emboîtent sans que je puisse les voir. C'est comme le feu qui passe du rouge au vert. Vous voyez pas les fils à l'intérieur ou les trucs qui s'enclenchent. Et vous allez parler de synchronicité. C'est juste le résultat d'enchaînements de choses qui se produisent sans qu'on puisse les voir. Donc, ça, voilà, on ne peut pas les prédire, on peut juste s'émerveiller quand on les a concrètement sous les yeux. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pourquoi ne pas vous dire, bon ok, c'est tout le temps qu'il se passe des choses qui me rapprochent de cette personne, qui nous rapprochent. Si vous êtes en séparation, par exemple, là, il y a quelque chose, imaginons. Alors, je donne un exemple, hein, mais vous transposez à votre prénom, à votre situation. Mais voilà, on a Émilie et Nico. Vous êtes Émilie, vous regardez cette vidéo et vous vous dites, bah, Nico, en ce moment, il allume la télé, il entend Émilie. Il allume la radio, il entend Émilie Jolie. Voilà. Et du coup, bonjour, voilà ma nouvelle collègue. Bonjour, je m'appelle Émilie. Il va se dire, non, mais attendez, c'est quoi ce délire, en fait? Donc, voilà, ça, ce sont des concours de circonstances qui fait que. Va se dire, mais qu'est-ce qu'elle devient? C'est vrai que bon, on s'est quitté un peu fâché, je trouve ça dommage, elle me manque. Voilà, vous transposez vraiment à votre situation, mais je pense qu'il y a de ça qui est en train de se passer. Donc, j'aime bien. Alors, 5 de denier, 2 d'épée. Quelle posture on vous demande d'adopter? Alors, on a le 3 d'épée renversé. Voyez de la réconciliation, je vous le dis. Alors, 3 d'épée renversé, guérison. Guérison et. Ouais, il y avait le chakra-gorge, hein, 5 d'épée, 3 d'épée, c'est aussi de la communication. Je dirais qu'aujourd'hui, votre travail, on va dire votre entraînement quotidien serait au niveau de l'apaisement des maux, du chakra-gorge, chakra-racine, chakra-gorge. Et aussi, en fait, ça va sentir dans votre discours parce que vous n'aurez plus les mêmes formulations. Avec le cavalier de coupe, on a effectivement quelqu'un qui arrive vers vous. On a du 10 d'épée, 3 de denier, le jugement, 6 de coupe. Ouais, il y a du regret, hein, il y a du regret. Et je pense que la personne conscientise aussi que vous avez l'étoffe d'un véritable partenaire de vie. Donc ça a peut-être été dû, enfin ça a été, ça a pas été peut-être, c'est en fait, c'est dur, c'est sous mes yeux. 5 d'épée et 3 d'épée renversées, c'est une bonne nouvelle, je peux vous le garantir. Ça veut dire que en évoluant, vous n'aurez plus du tout le même discours. Au lieu de dire, pour vous donner un exemple, mieux vaut être seul que mal accompagné, ça c'est en général quelque chose qui indique qu'on souffre, qu'on n'a pas envie d'être trahi, qu'on a peur de tomber sur de mauvaises personnes. On va plutôt dire, j'ai hâte parce que je sais que mon partenaire, mon prochain ou ma prochaine partenaire est quelqu'un de fidèle, est quelqu'un de stable, est quelqu'un de sincère. Et en fait, vous ne parlez plus de votre célibat ou vous ne parlez plus de votre condition. Vous allez juste être, vous placer
vraiment en termes de mots, en termes de discours, en termes d'énergie, parce que ça aussi, c'est de l'énergie. Vous allez vous placer en fait dans, on va dire, la position que vous cherchez à atteindre avec cette personne. C'est-à-dire, ben, voilà, si vous regardez cette vidéo, si vous avez envie de passer à un niveau supérieur. Donc voilà, alors, 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1 ? 6 d'épée, voilà, il y a vraiment ce côté fin d'une manière de penser avec le pendu et le 6 d'épée. On a vraiment le verre à moitié plein maintenant, hein, au lieu de voir le verre à moitié vide. Voilà, il y a encore un petit peu de travail au niveau des attitudes, des réactions, je dirais, hein, 5 de bâton, 9 de bâton, on se tient quand même sur ses gardes encore un petit peu, donc je dirais que ça, c'est à développer pour le travailler. Alors, je vais interroger quand même les lames majeures. Alors, il y en a une, deux. Voilà, le reste, ce sont des ajustements, hein, que vous allez faire. Alors, la papesse. 9 de denier. 7 d'épée. Ouais, la personne, elle est dans l'attachement fuyant, c'est-à-dire, voilà, pour elle dit rien, elle vous laisse tout faire, et vous faites, et ensuite elle vous le reproche, voyez, et ça lui donne une excuse pour pouvoir fuir, parce qu'elle est dans cette dynamique-là. Alors, je vais pas plus loin avec le tarot, je vais aller tout de suite prendre les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour notre petit choix numéro 1, pour les personnes du choix numéro 1, l'hiver, voyez, du froid. La froideur qui s'était installée, on a l'espoir à cultiver, voilà, dans la position des cartes, hein, c'est vraiment ce que vous devez cultiver, ce que vous devez, en fait c'est un conseil, voilà, ce que vous devez persévérer, là clairement on vous dit, bah, gardez espoir en fait. Alors, lâcher prise, ce fameux lâcher prise, échec, amour. Il y a du travail encore à faire là-dessus. Alors, mouvement homme. Alors, pourquoi il y a échec? Alors que ici, alors ça va dépendre en fait. Ça va dépendre du type de comment dire. C'est pas un type d'abnégation, mais je dirais que ça va vraiment dépendre d'une communication aussi, d'une discussion que vous allez avoir. Alors, justement, on va demander... j'ai l'oracle parfait pour ça. On va aller demander à lui. Hop. Alors, conscientisation, je t'aime, donc il y a de l'amour. Est-ce que la relation... Parce que même si des fois il y a de l'amour, la relation, comment dire, il n'y a pas tous les éléments pour que ça puisse durer. Mais ça aussi, on parle de timing. Mais c'est cette carte qui m'intéresse en fait. Il y a des peurs. Confiance, acte, sincérité. Alors, je sais que tu es ma chance. Donc, a priori, je me transforme. 1, 2, 3, 4. Voilà. Est-ce que celles-là, elles sont tombées ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, hop là, hop là. Je me stabilise. Ben, il n'y a que des bonnes nouvelles. Je ne peux pas t'oublier. Ok. Et ça concerne surtout... Donc les personnes qui se posaient la question par rapport à une séparation, qu'elle soit effective ou non, voilà, est-ce que vous allez vous séparer? Là, j'ai pas cette impression-là. Par contre, il y a un dialogue tourné autour de l'échec. Au lieu de dire bah, j'ai envie de réussir ou je ferai tout pour, on va dire ah bah, je vais essayer. Vous voyez, c'est en fait tout ce dialogue-là, tout ce langage-là qui fait que la personne a pu être dans la fuite. Et puis, il y a eu ce travail, et ce travail vous a permis de vraiment reprendre espoir, de conscientiser aussi votre valeur. Tout à l'heure, il y a la carte du don, hein, qui est venue avec cet oracle. Moi, je trouve que c'est un très joli tirage. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Enfin, voilà. Au lieu de dire il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, on va dire il y a toutes les chances que vous puissiez avoir confiance et y aller. Alors, on va prendre une carte ici. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, il y a quelque chose de très... comment dire
Ouais, de très magnétique. Voilà, c'est pas que sexuel, hein, c'est magnétique surtout. C'est-à-dire que ça passe par le chakra sacré et c'est aussi la confiance en soi. Alors j'aimerais en savoir plus par rapport à une communication pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc branchez-vous, voilà, sur imaginez le discours que vous avez face à cette personne, les mots que vous allez employer, le sourire que vous allez avoir. Vous allez lui dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et comment ça va se passer surtout? Hop! Alors, apprentissage. Chance. Allez, pensez fort à cette personne. Friendzone. Argent. Alors là, ouais, ok. Ça n'a rien à voir, hein. C'est juste les mots-clés. Je dirais qu'en fait, il y a une posture aussi où il va pas falloir être dans la demi-mesure ou effacer. C'est-à-dire, je reconnais ma valeur, donc l'autre va reconnaître ma valeur. Il n'est plus question, voyez, séparation et friend zone, c'est quasi pareil. C'est-à-dire, je mets une distance parce que j'ai pas encore conscientisé ma valeur. Il y a vraiment ce travail-là. Hein. La reine de deniers nous le confirme. Donc, une fois, parce que l'argent, on s'en fout hein, dans un tirage sentimental, à moins qu'il y ait une séparation à cause de problèmes ou d'histoire d'argent. Non, moi, pour moi, c'est friendzone et argent, c'est vraiment la distance avec la valeur, avec ma valeur. Donc, l'autre aussi prend ses distances parce que, enfin. Il n'est qu'un écho de moi. Il n'est qu'un écho, une confirmation aussi de ma valeur. Un écho, c'est une confirmation, une redite, une répétition. Donc, si je prends le temps de me revaloriser, l'autre personne va aussi conscientiser, eh bien, ce qu'elle ressent pour moi. On le voit ici, hein, on a conscientisation d'ailleurs avec Je t'aime, la carte, voilà, de l'amour, des sentiments sincères. Hein. On parle d'amour inconditionnel aussi. Mais je pense qu'il y a eu, comment dire, pour certains, certaines, un regret d'avoir, enfin, un regret à peine, hein, parce que finalement, vous le savez que tout ça devait se passer, que c'était nécessaire. Il y avait ce côté, voilà, je sais que ça permet de gagner, en fait, un peu plus. Voilà, si on avait continué, ça aurait peut-être pas été jusque-là. Alors que là, ça peut reprendre, mais sur de meilleures bases. Alors, on a hypocrisie femme. J'en veux qu'une, en fait. J'en veux qu'une. Lenteur. Oui, je pense qu'il va falloir être vous-même, en fait. Vous voyez? Alors, on a de nouveau la femme. Pas de chance. Crush. Inconnu. Alors, va falloir déterminer. La carte de l'hypocrisie me parle en fait de sincérité, c'est-à-dire avec le 2 d'épée, c'est surtout est-ce que je me vois continuer là-dedans, persévérer là-dedans, c'est en fait en étant honnête envers vous-même que vous aurez la réponse. Alors, hiver, printemps, on a quand même une datation qui est dans ces eaux-là, même si c'est un tirage intemporel, hein, vous transposez. Printemps, on parle de renaissance, mais ça prend. En fait, il faut prendre le temps de travailler sur votre valeur et surtout de vous dire est-ce que bah, la relation de moi-même à moi-même est solide, voilà, pour susciter. Enfin, de part et d'autre de la solidité dans le lien. Est-ce que moi, c'est voilà, est-ce que c'est déjà là? Il y a une. Alors attendez. L'émotion. Ben voilà. L'émotion. Découragement. Non. Il va falloir vous accrocher. Solitude. Vous avez peut-être affaire aussi à une personne très solitaire et sérénité. Donc, quel que soit le degré où vous en êtes, on vous demande de retrouver la sécurité. Alors, hypocrisie femme, je n'oublie pas celle-là, hein, vous inquiétez pas. On va aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui sort, qui vous empêche aussi totalement d'être vous-même. Alors, on a les phases lunaires.
Moi, j'ai quand même un mois dans la tête, hein. Aujourd'hui, on est le jeudi 8 juin. Voilà, ça vous permet d'avoir un 8 juillet dans le, ou un 7 juillet, je sais pas, mais j'ai vraiment ce. Gaïa, encore du 1. Et j'ai encore. Voilà, je laisse ce téléphone faire le point avec la luminosité, mais j'ai encore les phases lunaires, voyez? Donc, j'ai l'impression que c'est un cycle. On a du 1, on a du. Ok, la guerrière, la magie. C'est marrant, 33, 1, 34. Voilà, 33 plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, à savoir? Instant présent. Oui, ça vous a fait travailler l'acceptation de ce qui est. En maintenant, comme je le disais, les bonnes pratiques, ça vous permet justement d'acquérir, enfin déjà de vous délester d'un fardeau, mais d'acquérir un nouveau langage, une nouvelle manière d'être en fait. Le pendu, c'est ça, hein, je vois les choses différemment avant de changer radicalement ce qui a changé. Donc, pour finir, adaptation. Alors, on laisse le temps au temps et on suit le cours des saisons aussi. Maîtrise de soi, voilà. Maîtrise de soi et la reine de deniers. Moi, je trouve que ça se ressemble pas mal dans le sens où on prend soin de ses énergies, on se laisse pas déborder en fait. Et surtout, l'autre personne qui a pu être découragée commence, voilà, à conscientiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on finit le tirage. Donc, pour le choix numéro 1. Être en harmonie. Alors, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Et vous pouvez me croire parce qu'il est temps de vous dévoiler cette petite carte qu'il y avait au début que vous avez choisie. Et donc, posez-vous la question, est-ce que ce lien est viable? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va reprendre entre nous? Alors, a priori, pour la plupart des gens, hein, qui vous êtes connectés à cette vidéo et notamment à ce choix, hein, la réponse est oui. Donc, oui. Alors, moi, j'y crois. De toute façon, depuis le début, les cartes nous parlent d'amour. Je pense qu'il y a eu du travail à faire et il y a encore du travail à faire sur la communication, sur en fait la transmission. Quand vous avez une blessure, inconsciemment, vous avez du langage, inconsciemment, je travaille là-dessus en plus, hein, avec dans les séances privées. En plus, j'ai un diplôme de sciences du discours, donc je l'entends très vite. Et en travaillant avec vous là-dessus, en vous permettant de le conscientiser, vous avez fait déjà la moitié du travail. Donc là, je pense que la personne va aussi conscientiser les changements. Donc vous n'êtes plus du tout la même personne qu'hier. Et forcément, elle va se dire, ben là, j'entrevois un futur. Donc à vous de voir comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ce choix vous a soulagé ou vous a conféré un peu plus de sérénité. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Moi, je vais enchaîner sur le choix numéro 2. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, je ne vais pas faire de signe par signe pour le mois de juin, parce qu'on est déjà le 8, mais je vais vous proposer autre chose à la place et vous allez voir, ça va être hyper intéressant, en tout cas, je l'espère. Des bisous à vous, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao! Alors, choix numéro 2, on va aller prendre vos messages par rapport à ce lien. Alors, roi de denier, déjà en dos de deck. Alors, roi de denier, on a de l'abondance, on a de la fluidité. Ouais, à la coupe, on a déjà quelque chose de plus fluide que ce que vous pouviez avoir avant. J'ai ce premier sentiment. Alors, 5 de bâton. Ah, empereur, ok. Donc, on en a deux. Le monde. Ouais, il y a une notion de succès. Et regardez derrière, on a le 10 de coupe. Alors, il y a une notion de succès, mais il y a besoin de stabiliser certaines choses. Et j'ai déjà ce message qui vient. Ne vous précipitez pas avec le 5 de bâton. Ça peut être un petit peu. Enfin, j'ai l'expression mettre la charrue avant les bœufs qui me vient.
de ne pas trop précipiter. Voilà, il y a quelque chose qui est placé sous le signe de la réussite à condition que les éléments soient en place. Hein. Le 4, l'empereur, voilà, vous visualisez un 4 murs qui tiennent la bâtisse et là on peut poser le toit. Mais sans ça, voilà. Bon, après, on a des cartes très positives. Hein. Un petit bémol sur le 5 de bâton, 8 de denier qui est tombé avec l'impératrice. Ouais, il y a la récolte d'un travail qui a été fait, ou qui va être fait plutôt, parce que là on est dans la position du court terme. Et à long terme, justement, qu'est-ce qu'on a? Alors, à long terme, pour les personnes qui ont choisi le choix 2, pour la viabilité du lien, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Oh, l'impératrice, donc là c'est confirmé, et on a l'empereur, l'impératrice, c'est, voilà, c'est le couple quoi. Alors 6 d'épée, 4 de bâton, plus de joie, plus d'initiative, après une période, ah les amoureux, ok, après une période un petit peu, je dirais, on s'est posé des questions, hein. Alors ça concerne tout le monde, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dynamique du style couple bien établi ou célibataire uniquement, là on n'a pas ça. Moi je dirais qu'il y a surtout, on s'entoure mieux, il y a eu du travail mais il y a aussi la continuité hein, sur le court terme, même sur le long terme, le 8 de denier c'est vraiment l'instant présent, c'est... oui, les mantras, les habitudes, la routine, les rituels, voilà, tout ce qu'on fait de manière répétitive et tout ce qu'on fait aussi, alors répétitive de manière consciente, et c'est aussi la diligence à faire pour récolter. Donc il y a une récolte, il y a une réussite. On a le 3 cartes de succès, enfin même 4 cartes de succès. Celle-là, elle est un petit peu mitigée, hein, on va dire, dans l'état d'esprit, là aujourd'hui, ou dans la situation actuelle plutôt. Ça tend vers de la stabilité, voilà, ça va vers de la stabilité. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Alors je vais bien sûr poser d'autres cartes par-dessus pour voir. On va recouvrir tout ça pour avoir plus de messages. Il y a le chariot là, j'ai vu passer, oui c'est ça, le chariot, valet de coupe. Voilà, quelqu'un qui est prêt aussi à se stabiliser. Peut-être qu'au début, voilà ce qui me vient, la personne... ouais, j'ai l'impression qu'elle vous a observé, la personne en face. Elle a observé vos réactions, elle a observé votre ténacité, elle a observé votre sérieux, elle a observé si les actes et la parole étaient corrélés, vous voyez, s'il y avait une stabilité aussi émotionnelle. Je pense qu'elle vous a testé hein, sur les premiers temps, ou qu'elle est en train de vous tester, hein, si c'est le démarrage, et que finalement, en montrant que vous aviez votre propre vie, que vous aviez du monde autour de vous, que vous étiez soutenu, que vous étiez aimé, que vous étiez suffisant, suffisante à vous-même, là, voilà, j'ai vraiment ce sentiment que vous atteignez, mais elle s'en est rendue compte peut-être avant vous, que vous atteignez ce stade de complétude. C'est ce qui me vient avec le monde et l'impératrice. Alors la complétude, je l'ai expliqué dans l'outil complétude en boutique, mais c'est surtout les quatre murs, la stabilité, hein, c'est vraiment le côté, voilà, je suis sécure, je me sens sécure. Et ça confère à l'autre une certaine sécurité à vous aborder, à investir, à s'engager, à s'impliquer dans le lien, dans la relation. Donc si c'est au tout début, on vous dit quand même ne mettez pas la charrue avant les bœufs, parce que j'ai l'impression que cette personne est dans un archétype du style, voilà, l'empereur me fait penser à quelqu'un qui a plein d'options, qui est maître en la matière, qui a l'habitude de diriger, et qui a besoin de son pendant en face. Et quand elle voit que vous êtes stable, vous êtes bien dans vos baskets, dans vos bottes, dans vos talons, peu importe, je pense que cette personne va se dire « Ok, j'ai mon autre, j'ai mon alter en face. » Et en prouvant à cette personne, sans rien faire, juste en étant vous-même, que vous êtes stable, que vous êtes solide, là j'ai l'impression que ça va se transformer en création, en co-création justement avec l'impératrice. Alors, ouais, roi de coupe, stabilité émotionnelle. Alors, je continue, synthèse.
Alors là, non, trop de synthèse, tu la synthèse, ça devient une dissertation, ce truc, s'il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi le 2, on a le roi de bâton qui est tombé à l'endroit. Donc là, on vous parle de persévérance, malgré le fait que, possiblement, cette personne ne vous dise rien, elle ne vous donne aucun indice. Alors, avec la papesse, c'est garder un secret ou c'est rester dans l'observation. Regardez, 2, 1, 0... Bah c'est parti, j'ai vraiment le compte à rebours là, 2, 1, 0 et tempérance, donc oui une amélioration, après une période où c'était un petit peu flou aussi, hein. J'ai vraiment la sensation que malgré le flou, malgré le fait que ça soit vague, ou que cette personne ne dise rien, vous le savez, vous le sentez, hein, l'empereur, l'impératrice, il n'y a pas de hasard, on a bien la représentation du couple, donc... Les choses vont se faire, je pense que c'est pas encore fait. Pour la plupart d'entre vous, c'est pas encore fait. Ça peut correspondre aussi... Alors, je vais pas partir dans les signes astro, mais là, j'ai fortement du bélier, hein, d'accord? Donc, avec l'empereur et le roi de bâton. Mais ça parle aussi de stabilité, de continuer, de persévérer à aller vers cette stabilité. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et on y va, on va recouvrir tout ça, on va aller chercher des messages complémentaires. Alors, sur cet empereur et ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, dans la situation actuelle, la force... Ah non, roi de denier, pardon, excusez-moi, c'est les mêmes couleurs. Alors, roi de denier, mais il y a justement cette notion de stabilité. Alors, ça peut correspondre au profil type chef d'entreprise ou quelqu'un de bien placé dans le milieu professionnel. Ça peut aussi parler de quelqu'un d'un petit peu épicurien. L'empereur, le roi de denier, c'est, comme je le disais, hein, quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser les choses, d'être maître en la demeure. On a la notion de père aussi. On a la notion de quelqu'un de bien installé dans sa vie. Et qui est peut-être un petit peu aussi dans la prudence, dans l'observation. Oui, pourquoi elle vous observe? Est-ce qu'elle est dans la prudence? Là, j'ai vraiment l'impression que c'est en miroir, donc je dois adapter la lecture et que c'est ce que vous suscitez chez l'autre. C'est-à-dire, ça va trop vite, j'ai besoin d'observer, j'ai besoin de voir la régularité de cette personne. Et surtout, stabilité, maturité émotionnelle. Voilà, donc si, par exemple, vous... j'ai l'impression que cette... personne a pu vivre dans une précédente relation ou union des vagues, des bourrasques même émotionnelles de la part de sa femme, de son conjoint, peu importe, et que maintenant elle est en mode « Ok, moi je suis bien dans ma vie, je reste célibataire, ça me va, je reste pas célibataire, ça me va aussi, mais il faut que j'aie mon pendant ». En face, la personne qui tienne la route. Donc d'abord j'observe, d'où la papesse. Et si ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, vous pourrez compter sur cette personne. Hein. Vraiment, je pense que c'est une phase d'observation un petit peu. Hein. Voilà, on se découvre, on échange des informations. Y a la notion de couple. Dans le sens, oui, il y a les ingrédients pour. Maintenant, est-ce que vous l'êtes vraiment? Je suis pas sûre dans ce tirage que tous les... Enfin, voilà, après, vous pouvez vous poser la question et être en couple. Hein. Est-ce qu'on a les ingrédients pour vraiment aller jusqu'au bout, pour vivre ensemble, pour évoluer avec 40 ans de bagage de vie commune ensemble? La réponse est plutôt oui. Maintenant, ça va aussi être dans la question de la papesse, il y a l'observation et surtout le juste milieu. Est-ce que moi, ça me convient? Voilà, avant de créer, avant de on a le 2, on a le 3, il y a une recherche d'équilibre, mais surtout, il y a une indépendance. Dans ce tirage, il y a des figures très indépendantes qui se suffisent à elles-mêmes. Elles ne sont pas reliées forcément, elles choisissent de l'être et elles le restent. Quand elles ont décidé, elles vont jusqu'au bout. Donc, il y a des figures fortes, en fait. Ça, c'est vraiment plaisant. Alors, le monde... Alors, faut que je la prenne telle qu'elle est tombée. Elle est tombée à l'horizontale. Voilà, elle est tombée comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Alors, il y a la promesse de... Ouais, 5 de coupe derrière.
Je pense que ça concerne en fait des personnes qui ont été longuement en couple avant, genre 10 ans, voilà, avec mon ex, on est resté 10 ans ensemble, ou j'ai été mariée, voilà, j'ai des enfants. J'ai vraiment le sentiment que là, ça concerne des personnes qui ont déjà un gros bagage au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi, et qu'elles ont besoin de ce temps-là pour... Est-ce qu'elles ont été un petit peu émoussées en fait? Voilà, j'ai vraiment ça. Donc, quand ça va trop vite, elles ne sont pour autant pas fuyantes, mais elles vont bien vous montrer. Attends, je te réponds dans 3 jours parce que là, voilà, ça a tendance à s'accélérer un petit peu. C'est moi le maître de la cadence ou la maîtresse de la cadence. Voilà, si vous avez affaire à, enfin, vous adapter à qui vous avez affaire en face, hein. Alors, 3 d'épée. Oui, il y a eu du travail sur... je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été digérées, qui sont en passe de l'être, mais que là, l'idée, c'est de respecter le rythme de l'autre. Je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais bon, si je le redis, c'est que c'est vraiment important. Et le 3 d'épée va nous parler de quelque chose encore à vif. Alors, ça peut être vous, mais j'ai vraiment la sensation... Vous me direz en commentaire, mais... Voilà, en commentaire, mais j'ai vraiment la sensation que c'est l'autre qui ressent ça, vous voyez, c'est bizarre. Ça m'a pas du tout fait ça pour le choix 1, mais là, pour le coup, c'est vraiment vivace. Alors, 3 d'épée, 8 de denier, je pense que c'est une personne, en tout cas un profil avec lequel il faudra être patient, en fait, voilà, avec le 8 de denier, j'ai vraiment cette notion de patience, d'être ancré dans l'instant présent, c'est-à-dire, bon, je prends ce qui vient, j'accepte, il y a toujours une notion d'acceptation avec l'instant présent, c'est-à-dire, je suis capable d'affronter les aléas du quotidien, mais c'est surtout, voilà, tiens, aujourd'hui, j'ai un message, demain, j'en aurai peut-être pas, demain, j'en aurai peut-être deux, demain, j'aurai peut-être une déclaration d'amour, ou pas, mais en tout cas, je profite de cet instant pour ancrer une stabilité, un équilibre, et à force de le faire, hein, le 3 d'épée normalement devrait s'estomper. On va aller voir à long terme. Bon, à long terme, déjà, on a l'impératrice. Ce serait génial qu'il y ait l'impératrice 2 fois. Ah, ben on a le 2 de coupe, c'est pas plus mal, mais voilà. Et on a le cavalier de denier. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin de co-créer, mais de créer avec quelqu'un. Ouais, si elle vous dit par le passé j'ai fait une grave erreur, j'aurais pas dû aller jusqu'au bout, on a aussi l'archétype taureau avec le roi de denier. Voilà, c'est vraiment la persévérance jusqu'au bout, quand bien même, et ça c'est une citation d'un taureau que je connais dans mon cercle privé qui m'avait dit, je sais que je fais une connerie, mais il faut que j'aille jusqu'au bout, sinon j'en vaux pas la peine. Voilà, et pour autant, je sais que je fais une connerie. Bon. Et là, la personne, alors avec vous, il y a pas de lézard, hein, tout va bien. Elle reconnaît le lien, mais elle est prudente. Voilà, c'est le mot. Elle est prudente. Elle est observatrice. Elle est, voilà. Elle prend son temps, elle jauge, elle estime, elle évalue avec le cavalier de denier. Hein, elle est vraiment dans la mesure. On n'a pas quelqu'un d'expansif, quelqu'un qui va vous faire de grandes déclarations. On a même le profil d'un taiseux ou d'une personne, enfin d'une, je sais pas comment on dit pour une femme, mais voilà, un profil taiseux, un profil très pudique. C'est un mot qui revient aussi. Et pour autant, vous le savez, vous pouvez compter sur cette personne. Vous pourrez compter sur elle. Alors on a quoi? 4 de bâton, reine de denier, 2 de bâton. Alors, il y a le profil aussi de la personne qui a besoin de son indépendance, qui ne veut pas être trop maternée. Alors là, on a l'as de denier, 7 de coupe. Alors, je vais recouvrir parce que là, il y a plusieurs possibilités. Déjà, le 7 de coupe nous dit... Faites appel à votre imagination avec la papesse, hein, on a l'imagination, on a la visualisation créatrice, c'est-à-dire, voilà, dans mon cœur, il y a un cerveau, et dans ce cerveau peut imaginer, et c'est là que je vais ressentir. Hein, le mental, c'est juste des projections basées sur des expériences en général marquantes et en général négatives. Par contre, le cœur a son propre système, qui est relié aussi à l'âme. Et le 7 de coupe nous dit, malgré les apparences,
En fait, il y a plusieurs choses. Ça peut être plusieurs configurations. Peut-être qu'avec cette personne, il va se passer ceci. Peut-être que c'est la personne avec qui vous allez finir. Peut-être que c'est juste la personne du mois. Peut-être que c'est. Mais en fait, ça va dépendre, comment dire, d'un degré de patience. Ouais, du 8 de denier. Ça va dépendre de ça, j'ai l'impression. Alors attendez, je vais recouvrir, comme je l'ai dit. Je vais mêler moi aussi la parole à l'acte, hein. Alors, je vais prendre celui-ci qui m'appelle fortement. Alors, pour les personnes du choix numéro 2, 4 d'épée, il y a le repos, hein. Il y a le repos et de laisser venir, de vraiment conditionner son mental à ne pas tout faire à la place, enfin, pour susciter chez l'autre, parce qu'elle va y voir une tentative je vais pas dire d'emprise, mais de prendre la place, de faire, de tout le temps, de faire en sorte que ça bouge. Or, cette personne, elle est plutôt lente. Alors, lente dans le sens où elle préfère prendre son temps. Voilà. Elle préfère aller à son rythme. Donc à vous de voir si vous avez envie de l'accepter, parce que je pense que elle va vous, enfin, c'est pas qu'elle va vous l'imposer, mais c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, et c'est à vous de voir si dans votre degré de patience, vous avez cette tolérance. Hein, des fois, il faut être honnête. On se dit, bah ouais, mais non, moi, c'est voilà, c'est aujourd'hui, maintenant, et c'est pas demain, peut-être plus tard. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Oui, on a reine de denier et cavalier d'épée. Alors, d'un côté, quelqu'un qui est vif, tout feu, tout flamme, et de l'autre côté, un autre profil, hein, plus terre à terre, plus pragmatique, plus secret peut-être aussi. Alors, pas forcément secret, mais comme je disais, plus taiseux, bouche fermée et communication, voilà. Donc, est-ce que c'est toujours compatible, hein? Maintenant, c'est une question d'adaptabilité aussi. Moi, j'ai un 2 de coupe. Moi, je pense que vous allez, voilà, il va y avoir du dialogue, il va y avoir des beaux échanges et justement on va aller prendre les oracles pour voir un petit peu. Alors, dans l'évolution de ce lien et au niveau des profils, est-ce que tout ça c'est compatible? Alors, déjà on a vérité et homme. Alors, je dirais vérité et action, hein, parce que homme, femme, peu importe, vous adaptez. S'il n'y a pas d'homme impliqué dans ce tirage, vous adaptez. Et je dirais que c'est aussi un passage à l'action, c'est-à-dire une personne qui va se dire, ok, j'ose, il est temps, il faut que je prenne les devants. C'est peut-être quelqu'un qui vous a testé depuis un moment et qui va se déclarer, c'est possible. Bah voilà, on a des signes, mouvement, elle va bouger, hein. Elle va bouger et elle va commencer à projeter, c'est-à-dire à faire des projets, à vous proposer quelque chose. Alors, pas grandiose, hein, c'est pas, voilà, dans 10 ans, on planifie notre mariage, mais c'est plutôt, tiens, tu fais quoi le week-end je sais pas quelle date, voilà, dans 2 semaines, par exemple. Tu fais quoi dans 2 semaines? Oh, bah écoute, possiblement je vais là-bas, parce que bien sûr, vous avez aussi votre vie. Mais écoute, si tu me proposes quelque chose de mieux que ce que j'ai prévu, avec grand plaisir, hein, on va pas dire non. Allez, début, voilà, c'est là. Début et rencontre en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça va durer? C'est ça qu'on veut savoir. Le don. Alors, le don et la confiance. Ayez confiance, il y a des. Comme je disais, il y a les ingrédients. Gift, cadeau aussi, hein, en anglais. Alors le don, il y a aussi pas donner de votre personne, mais de montrer que vous êtes, enfin pas doué, mais ouais, il y a cette notion de je comprends ta posture, voilà, je sais pas. C'est pas le fait de donner qui va me déranger. Ben, j'ai estimé que t'en valais la peine, j'en vaux la peine, donc tu vas l'estimer vite fait bien fait, hein, parce que je pense que cette personne, elle est pas loin de vous le dire. Elle est sur le point de vous le dire, elle est sur le point de dire, bon, écoute, tu sais quoi, voilà, bon, allez, rencontre. Hein. Santé, destin, abondance, fertilité. On a tous les ingrédients pour que ça fonctionne, pour que ça prenne, pour que ça vive. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Je fais mon petit marché, hein. Alors, celui-ci d'abord. Allez, hop, gratitude. Mais voilà. Alors, ressentez déjà la gratitude. Ouais, on a une personne qui regrette aussi.
En fait, j'ai l'impression que ce qu'elle conscientise, c'est que si elle vous... Enfin, comment dire si elle tarde trop, elle va vous... C'est pour ça que je voyais aussi plusieurs options. C'est qu'elle voit bien que vous vivez, que vous, vous croquez... Enfin, moi, j'ai vraiment la sensation que vous croquez la vie à pleines dents et que vous conscientisez l'importance qu'elle pourrait avoir, hein, bien sûr, si c'est pas encore le... Enfin... Si c'est pas encore les débuts de la relation, vous le savez avant même le premier baiser, voilà. Mais cette personne, j'ai l'impression que c'est un solitaire ou une solitaire, un ou une solitaire, et que elle se dit voilà, est-ce que je serai à la hauteur? J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc en lui montrant que vous, bah, vous la prenez telle que vous êtes, telle qu'elle est, pardon, elle va vous prendre aussi telle que vous êtes. C'est-à-dire qu'elle va arrêter de se rabaisser et elle va se placer sur le même, sur la même marge d'escalier. Hein, empereur impératrice, il n'y en a pas un en dessous de l'autre. Il n'y a pas un rapport de force dans ce tirage. Il y a vraiment une égalité, une équité qui est assez belle à voir. Il y a aussi un équilibre. Mais j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un de plutôt solitaire et que peut-être qu'il y a du monde autour de vous, que vous aimez bien être entouré, vous aimez bien, voilà. Est-ce que pour autant c'est incompatible? Je crois pas, non. Donc voilà, c'est vraiment peut-être l'histoire qu'elle s'est racontée parce qu'elle avait besoin de temps pour voir que vous n'étiez pas bah, la même personne que ce qu'elle a pu rencontrer. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a vécu quelque chose de... De lourd et qui lui fallait du temps pour se réouvrir. Et oui, j'ai le chakra cœur hein, qui a souffert pour cette personne. Après, bon, tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, mais que là, au moment où vous l'avez rencontrée, elle s'en était pas vraiment remise. Protection. Ouais, elle se protège. Conflit. Elle a peur aussi. En fait, elle observe vos réactions pour voir si vous êtes, si vous allez lui faire des reproches, si vous allez la rabaisser, si vous êtes dans le rabaissement. Je pense qu'elle a vécu ça avec une précédente relation et que, en vous observant, elle se dit, ben non, mais en fait, il n'y a pas ça, quoi. Voyez, et que là, elle est mieux tombée. Sauf que, est-ce qu'elle y croit? Alors, harmonie. Oui, il y a une symphonie aussi. Enfin, c'est le mot... m'attaquez pas comme ça. C'est le mot qui me vient. Alors, pause. Et on a tristesse. Alors, si vous êtes en pause, c'est clair et net. Ça fait deux fois que cette notion de tristesse ressort. Hein. On avait... Oui, on l'avait aussi en d'autres decks hein, de cet oracle. J'allais dire de ce jeu, mais non, c'est un oracle. Et... ouais, il y a quelque chose où elle se dit c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. C'est en vous voyant évoluer. En fait, je crois qu'elle vous a collé une étiquette pour les personnes qui étaient en relation et qui sont en pause aujourd'hui. J'ai l'impression que vous subissiez une relation précédente qu'elle a vécue, elle, et que vous étiez là, bah non, mais c'est injuste, en fait. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais la moindre de vos réactions a été, bah tu vois, t'es hystérique, bah tu vois, nanani, bah tu vois, t'es comme mon ex, nanana. Oh, on se calme. Moi, je suis moi, d'accord, je suis douée dans mon domaine. J'ai aussi, alors dans le don... j'ai votre caractère, voyez, votre propre caractère. Et j'ai l'impression que cette personne, elle avait tendance à calquer encore une précédente relation à la vôtre, enfin, votre dynamique entre vous, et que ça n'allait pas. Donc, il a fallu faire une pause, bon, pour les personnes qui sont dans cette configuration, et que pour autant, là, elle se rend compte que, bah non, en fait, grave erreur. Ouais, j'ai l'impression que on vous dit ne désespérez pas, parce que cette personne, elle va comment dire, elle va être honnête envers elle-même, et elle va se dire, ok, il faut que je travaille, il faut que je nettoie, voilà, il faut que je guérisse. Ouais, avec début, on peut avoir un nouveau début aussi, hein, pour les couples déjà existants. Alors... Vous
Oui, j'ai l'impression pour certaines personnes, là, vous qui regardez la vidéo, vous vous êtes dit, ok, ça vaut plus la peine de lutter, il y a plusieurs possibilités pour moi. Voilà, à un moment donné, je vais pas non plus attendre que cette personne veuille bien reconnaître ce dont je suis pourvue, hein, parce que j'ai plein de choses à offrir, mais ça va, quoi. À un moment donné, je suis pas obligée, voilà, reine de denier, je suis pas obligée de... je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, si elle ne veut pas le reconnaître, tant pis pour elle. Moi, il y a plein d'autres possibilités, et c'est là justement, c'est en lâchant l'affaire que tout s'est enclenché, paradoxalement. Et bah, si vous sentez de le faire, faites-le, hein, si vous n'en êtes pas encore là. Mais bon, moi, je peux pas vous dire ça. Là, c'est un tirage général. Je me connecte à celles et ceux qui vont regarder la vidéo. Dans tous les cas, il y a une joie, bouleversement, ouais, quelque chose qui va. Elle va se rendre compte qu'en fait, vous êtes stable mentalement, que vous êtes forte, que vous êtes fort, que vous êtes... Vous n'êtes pas du tout la personne à laquelle elle a l'habitude, sur laquelle elle a l'habitude de tomber. Et elle vous a taxé d'une... ouais, d'un... Comment dire? D'un profil par facilité, puisqu'elle n'avait pas vraiment bossé ça. Et c'est là, pour le coup, vous qui l'a fait bosser. Donc, il y a une joie, hein, à venir, de toute façon, pour vous, puisque c'est vous qui êtes concerné par ce tirage. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir cette info par rapport à l'autre. Alors, bien sûr, c'est général. Et alors, je préfère vous le dire, voilà, j'ai l'occasion de le dire en vidéo. C'est marqué sur mon site web. Je ne fais pas de tirage sur une personne qui n'est pas consentante à ce qu'on tire les cartes sur elle. Donc, quand vous m'interrogez sur votre autre, moi, je tourne la question... pour revenir à vous, et bien sûr que ça ressort, mais moi, on va dire d'un point de vue éthique, je n'ai pas envie, par exemple, que quelqu'un vienne tirer les cartes sur moi, alors que je lui ai pas donné mon accord, et qu'elle s'informe comme ça. Donc, vous voyez, c'est juste une question d'éthique. Je pense que si, par exemple, une personne vient me consulter pour dire, ben voilà, je veux savoir ce que vous pensez, alors vous êtes réticente à vous dévoiler auprès de cette personne, c'est pas juste non plus. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais ça me paraît plus approprié de vous le signifier, voilà, pour pas que vous tombiez des nues en recevant une réponse de ma part qui dit, ben voilà, j'ai réadapté le tirage parce que je n'interroge pas, voilà, c'est une violation, hein, quelque part. Bon, bref, alors le choix, l'éveil, la justice, instant présent, persévérance, fardeau, gratitude, ça fait deux fois qu'on a le mot gratitude. Alors, est-ce qu'on va remercier la situation présente? Oui. En d'autres decks, on avait quand même le 8 d'épée, je vous montre, culpabilité, insécurité, doute. Une personne qui a été aussi obnubilée par son passé. Et j'ai pas l'impression que ce soit vous, mais j'ai surtout l'impression que l'autre personne... comment dire? Ben, on va tout de suite le savoir, d'ailleurs. Elle avait pas réglé certaines choses, hein. Elle est en passe de le faire. Alors, on va voir, d'ailleurs, l'évolution entre vous. Alors, choix numéro 2. Été. Alors, c'est un tirage intemporel, mais là, on parle de quelque chose de florissant. Alors, elle a pu être aussi en couple avec quelqu'un qui était, alors, matérialiste, pas très stable, infidèle aussi. Et forcément, j'ai vraiment le côté chat échaudé, hein. Donc, l'été, quelque chose de beaucoup plus fertile, florissant, qui peut enfin prendre. Et la période de l'été, alors, bien sûr, voilà, on a réussite. On peut pas dater, hein, ça dépend de l'évolution et du rythme de chacun. Alors, on a rapidité, évasion. Ok. Communication. Et en d'autres decks, changement. Alors, un changement plutôt rapide. Et elle peut aussi, enfin, pas vriller, mais je vais dire plutôt, ouais, changer d'avis ou faire volte-face, vous voyez. Elle a pris une décision, elle s'y est tenue, et puis finalement, elle s'est remise en cause toute seule de son côté, surtout en voyant que vous occupiez de votre santé mentale, sans santé physique et tout. Elle s'est dit, c'est quand même dommage, parce que malgré, on va dire, la configuration, je vois bien que cette personne, donc vous, en face, n'avait rien à voir avec son mal-être. J'ai vraiment, voilà, une personne qui a besoin de stabilité et qui peut paraître très forte, qui peut paraître très sécure, qui peut paraître très
Voilà, mais c'est de l'apparence. Alors, je suis loin de toi, je ne peux pas t'oublier. Donc, effectivement, on a bien une pause, distance, silence radio, une séparation temporaire. Des peurs, ben voilà, bouclier du faux self, hein, elle se protège. Voilà, ouais, je suis fort, je suis machin, je suis ceci, mais ouais, bon, pas à vous, hein, on vous la fait pas. Mon passé. Voilà, c'est ce qu'elle doit régler. Voyez encore dans la situation du court terme, on a, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment du 3 d'épée, le chakra cœur qui saigne. J'ai l'impression que cette personne, voilà, a des blocages, j'allais le dire, énergie tierce, et qu'elle a besoin de se stabiliser, mais qu'elle conscientise vraiment la connexion. Hein, on a le 2 de coupe, donc elle sait qu'il y a une connexion. Maintenant, pour la viabilité à long terme, s'il vous plaît. Alors, je suis nostalgique. Bon, ça, on le sait, hein, elle est triste. Voilà, on l'a vu. Elle se sent coupable aussi. Je pense que l'8 d'épée, c'est elle. Hein, elle s'en mord les doigts. J'allais dire autre chose, mais un peu moins gracieux. Alors, bon, séparation. À long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Alors, blocage. Ouais, comme je vous le disais, c'est à vous de voir si vous avez la patience, en fait. Hein, parce que. Pour vous, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Enfin, il y a toujours d'autres possibilités. C'est pas la seule personne qui existe dans le monde, mais c'est peut-être la seule personne qui compte dans votre monde. Donc, à vous de voir. Alors, je te désire, oui, d'accord. Elle vous sent, hein, elle vous ressent. Et surtout, elle sent quand vous vous éloignez, mais pour autant, ouais, il y a besoin d'arrêter son off, hein. C'est pour ça que je pense que vous avez été aussi à l'initiative ou un peu d'accord avec cette pause en mode oui, bon, bah là il est temps. Alors attention à la surveillance, c'est peut-être elle. Oui, elle a. Ouais, je pense que c'est elle. Alors ne le faites pas. Voilà, si vous êtes tenté d'aller voir sur les réseaux sociaux comment elle évolue, ce qu'elle fait, ce qu'elle a rajouté de nouvelles personnes, etc., etc., ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas parce que vous êtes en train de réaffirmer que vous êtes loin l'un de l'autre. S'il y a rapprochement, quand vous êtes proche, normalement, vous ne faites pas ça. Et surtout, quand vous avez confiance, vous ne le faites pas. Donc, c'est voilà, c'est un petite astuce énergétique, on va dire, une petite subtilité. Alors, qu'est-ce qu'elle pense au fond? Qu'est-ce qu'elle va faire? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Alors elle en est encore là. Ça correspond aux 5 de bâton. Hein, elle est dépassée. Elle est dépassée par la situation. Envie de te voir. Bon, là c'est clair. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, dépendamment de votre situation énergétiquement pour vous, moi je dirais continuez à faire ce que vous faites. Si vous avez besoin de conseils, bien sûr, c'est en guidance privée, voilà, pour que je puisse évaluer la situation et vous donner des conseils adaptés à votre situation. Mais je dirais que c'est en bonne voie pour que cette personne conscientise et change, mais pour autant, ça peut prendre du temps. Là, pour l'instant, on n'a pas de lien qui se rétablit. Alors, enfin, de relation qui est renouée, qui. Donc, c'est à vous de voir. Là, vraiment, le tirage nous laisse. Voilà. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je pense que là, ça va dépendre vraiment de vos chemins respectifs, de ce que vous dicte votre cœur. Donc, à vous de voir. Cette personne, pour l'instant, je pense qu'il est vraiment l'heure de la laisser conscientiser tout ça, même si vous le savez. C'est vrai que des fois, on le sait, on le ressent, on trépigne d'impatience parce qu'on se dit, bah, vas-y, arrête de tourner en rond, là, c'est bon. Mais pour autant, je pense qu'elle a besoin, là, de vivre certaines choses et de voir surtout que vous, voilà, ça, vous êtes sécure, quoi. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié une? J'ai quand même envie d'en prendre une autre pour finir, même si le tirage est fini. Ah, triangulaire, ouais, il y a aussi de ça. Il y a aussi
une attraction, mais peut-être que pour l'instant, elle est encore dans une ancienne relation qui est sur le point de se terminer, mais qui peut, voilà, qui va se terminer quand. Donc ça, on ne s'en occupe pas. C'est quelque chose qui va être déterminé surtout énergétiquement, j'ai l'impression. Alors, pour finir et pour vous dire au revoir, un signe de succès. Alors, peut-être que si vous voyez succès, vous vous dites, mais en quoi je vais... Enfin voilà, le succès, on pense, je sais pas moi, à The Voice ou des trucs comme ça. En réalité, on vous dit, vous allez réussir. Il y a de la réussite dans ce tirage. Mais je pense que la personne, elle est soit occupée, soit elle n'est pas encore dédiée totalement à se remettre en couple. Donc, laissez-lui son rythme. Voilà, vaquez à vos occupations, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous, surtout, ça compte, et vous verrez dans quelques temps l'évolution. Alors, si vous avez bien sûr envie, n'oubliez pas, hein, le code promo HBD37, valable jusqu'au 20 juin. Voilà, et puis, à bientôt. Ciao, ciao! Allez, choix numéro 3, on va aller voir donc vos messages sur la viabilité de ce lien. Est-ce que ça va durer? Ah, 10 de coupe à la coupe. Bon, bah c'est déjà pas mal comme énergie, on va dire. Allez, dans la situation actuelle, ce qui se passe dans votre lien actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message? Ah, 4 de bâton. Alors, ouais, à l'envers ou à l'endroit, c'est la question. Sans vouloir vous mettre la chanson dans la tête, je regarde quand même. Ouais, non, c'est plutôt à l'endroit. Alors, 5 de coupe, 6 d'épée. Ouais, là, il y a de la force de gagner et on est prêt à la joie, on est prêt à la célébration. On a même le mariage, l'union. La stabilité, la solidité. Il y a l'idée d'une véritable partenaire en face qui est sur le même diapason. Ouh, c'est beau. Oh, incroyable. Incroyable. On a un vœu qui se réalise. Alors là, vous avez ce que vous devez faire, bah, c'est continuer à y croire, j'ai envie de dire. Que vous soyez célibataire, en séparation, en couple. Oui. La réponse est oui, ça va durer. Alors oui, en tout cas, c'est bien parti pour. Hein. Après, tout dépend de l'évolution. Alors là, tempérance à l'envers, as de coupe. Pourquoi elle est tombée à l'envers, celle-là? Oh. Elle est à long terme. On va compléter, on va comprendre. Hein. Il y a peut-être du rififi dans le caviar, mais c'est pas forcément dit que ça va durer comme ça. Là, c'est juste à court terme. Alors, peut-être que en ce moment, dans l'énergie, on a une personne qui est plus tournée vers les sorties, les soirées. Vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine, machin. Bon, bah là, vous vous occupez de vous. Et là, il y a peut-être effectivement des incompréhensions, un manque de fluidité, un manque de communication. Ça ne veut pas dire que ça va durer. On va voir. Mais bon, il y a quand même... ouais, il y a de l'espoir qui revient après une période de doute. Hein. Le 5 de coupe a voulu sortir. Enfin, il est en tout cas apparu en dos de deck, donc dans le contexte. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en séparation ou séparées depuis un moment et célibataires depuis un moment qui sont concernées. Voilà. Alors les couples, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'arrêt de relation, il y a juste une période un peu à passer, mais ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous, hein, le 8 de denier, roi de coupe, de vous reposer. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a du repos. J'ai l'impression que ça vous permet de réajuster un petit peu les choses. C'est bête que tempérance soit tombée à l'envers, parce que c'est plutôt, il y a une très bonne énergie dans ce tirage. Alors, 4 de bâton, il y a du partage, mais peut-être pas avec une énergie derrière de besoin, de manque, de... Ouais, 5 de denier, c'est le désespoir. Enfin, il y a une énergie de manque, une énergie de vide. Donc, une énergie un peu placée sur le désespoir et forcément, alors, des choses qui... C'est pas que ça tourne pas rond, mais... On va dire qu'il y a un cheveu dans la soupe. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, l'étoile, le 9 de coupe, se suffisent elles-mêmes pour dire que les choses vont s'améliorer, une amélioration. Mais, alors, c'est peut-être pas pour tout de suite.
il y a encore des petites choses j'allais dire à transgresser. Alors, c'est une question d'autorisation à être vraiment, voilà, vous lâcher en fait. Pour le partage, en fait, pour partager, et il faut avoir de chaque côté. Et là, je peux pas vous dire qui dans le lien. Moi, j'ai bien un lien qui est là, mais qui est un petit peu comme si, voilà, il y en avait un qui tenait fermement et l'autre qui tenait mais mollement, vous voyez, qui, voilà, donc on sent que c'est prêt à lâcher, mais il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité à trouver. Hop là, désolé pour le claquage. Alors, ça me fait penser, il y a genre 3 ans maintenant, il y a une personne qui avait dit « Ah oui, mais les cartes, ça fait trop de bruit. » Bah, désolé, je ne peux pas couper le bruit des cartes, c'est justement là tout le charme et l'attrait. Alors, 7 de bâton, il faut persévérer. Cavalier de bâton, il y a du mouvement, la passion qui revient. Ah oui, 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qui est resté dans le paquet là ? Reine de coupe. Allez, je la garde. Pour la beauté du geste. 9 de denier, il y a eu un travail sur l'autonomie affective, l'autonomie aussi financière, l'émancipation, j'ai une notion d'obéissance et d'émancipation et ça date. Pour certaines personnes, enfin pour la plupart d'ailleurs, ça remonte à l'enfance, et l'autorisation à être, donc émancipation du regard de l'autre, du regard des autres. Petite nuance. Et quand bien même ça a l'air d'être un peu le boxon, là, 5 de bâton, tempérance, ouais, ça a l'air d'être un petit peu... J'ai l'impression que c'est la relation on-off et qu'on vous dit, mais persévérez, mais c'est en gagnant en autonomie, 9 de denier, 8 de denier, reine de denier, en vous occupant de vous-même, en ne vous préoccupant pas de ce que vont en dire les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont venues fourrer le bout de leur nez en mode « Oui, mais tu sais, nanani... » Hey, 4 de bâton, 2 fois. Alors, on va demander... Ce serait beau qu'on ait un troisième 4 de bâton avec un troisième jeu, hein, pourquoi pas, faut toujours... Alors, valet de coupe, 2 d'épée. Hein, peut-être que la personne, elle hésite à pleinement... Allez, chariot. Mais elle va avancer, elle va se déclarer. Regardez, as de coupe. Il était où, mon autre as de coupe? Il était par là. Alors, le chariot, valet de bâton, c'est quelqu'un qui va prendre les initiatives. Ouais, il y a bien un lien. Il y a bien un lien et il y a quelque chose, 6, de l'ordre du partage, et il y a de l'amour véritable aussi, il y a quelque chose de, à l'instant présent, impératrice, c'est florissant, ça va évoluer, mais c'est un peu laborieux. Alors, l'idée, ça va être aussi, vous n'avez pas vu ma tête, et heureusement, parce que j'ai fait une tête de non, 4 de bâton, une troisième fois. Alors oui, il y a le véritable potentiel d'union dans ce lien. Quand bien même ça pourrait paraître bordélique, là l'idée ça va être de se positionner. Je vous donne un exemple. Je veux boire, mais j'ai pas soif. Voilà, c'est un peu cette contradiction, le 2 d'épée, qu'on vous demande, ok... si vous dites « je veux l'amour, mais je veux pas d'une relation nanani », en fait, vous détruisez l'intention pure, l'intention forte, l'intention tout court. Donc là, l'idée, ça va être de, en termes de discours, de faire quelque chose de déclaratif et de vous y tenir. Et quand bien même ça prend le temps que ça prend, il y a 4 de bâton 3 fois quand même. Ah. Attendez, faut que je me calme. Voilà, ça y est, je suis calmée. Hein. Après tout, je ne peux que vous souhaiter vivre ça de la meilleure des manières. Maintenant, je pense qu'il va falloir lâcher prise sur le temps. Si vous vous posiez la question, bah oui, mais quand? Alors là, ça. Alors, accord, changement, échec, signe ange gardien. Personne qui a très peur de se planter. Hein. Alors, vérité homme, c'est déjà sorti pour le choix numéro 2, il me semble.
Pourtant, je les ai bien mélangés. Hein. Alors, l'homme est vraiment sorti. S'il n'y a pas d'homme concerné dans votre situation, pensez toujours action. Voilà, le yin et le yang. Le yin étant la partie féminine, la partie intérieure, cachée, etc. Et le yang, la partie extérieure, visible, et l'action. Communication. Je pense que la personne s'est mis des freins, elle s'est mis des limites, et là, elle va oser. Vous voyez, j'ai vraiment le mot oser, audace. Alors, fin printemps. Ah, ouais, j'ai pensé à la fin du mois de juin. Chance, épanouissement, rencontre, création. Voilà. Je pense qu'elle va se rendre à l'évidence. Il y a le mot évidence dans votre tirage, vous voyez. Clé. Alors, santé. La clé, c'est la santé. Eh oui, 8 de denier, 9 de denier. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui a pris son temps pour s'élever dans la société, changer de position, de glaner une posture hiérarchique au niveau du travail, de bien gagner sa vie. Ça a pu être quelqu'un qui a été axé sur le matériel. Ouais, reine d'épée, jugement. Alors là, il faut que j'en prenne un tout de suite maintenant. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je veux savoir. Ça, c'est vous. Voilà, je le dis. Ça, c'est vous. Et la personne en face de vous... alors, je vous montre. J'espère que ça va pas être au bout de la 52e carte. Non, il n'y en a pas non plus autant. Alors, la personne... Alors, ça, c'est une personne toute nouvelle que vous n'avez pas encore rencontré. Voilà, ça va aider à dire qui est qui, hein, s'il y a tout ça qui ressort. Et la personne que vous connaissez, c'est l'autre figure masculine. Alors, elle est où? Voilà, elle est là. Donc ça, c'est la personne de cœur, votre autre, celle que vous connaissez déjà, celle avec qui vous avez envie d'être. Sinon, c'est une autre personne. Voilà, comme ça, ça va être très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. Ouais, fin d'un mécanisme aussi de protection par rapport... j'ai l'impression qu'on a une ouverture. Alors... Ouais, osez être vous et ne réfléchissez pas. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes d'entre vous qui regardaient, qui êtes concernées par cette vidéo, il y a eu, alors ça c'est un message qui ne concernera pas tout le monde, mais beaucoup de complexes de l'ordre du physique, beaucoup de moqueries dans l'enfance et une mère qui a rabaissé, notamment au niveau de votre physique. Hein, si t'avais des plus longues jambes, hein, si t'avais un nez comme le mien, hein, si gnagnagna. Et qu'aujourd'hui, il y a eu une émancipation de cet ordre-là, c'est-à-dire je m'accepte tel que je suis, je n'ai... Il y a comme une guérison par rapport à ça, une émancipation du regard de l'autre, mais qui a été conditionnée dans l'enfance par les critiques incessantes. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un message qui me vient comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La paix, oui, la paix, ça fait du bien. Le soleil, ah, il est pas loin. Il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez. Il ou elle, la personne de cœur. Alors... Déjà, mettre... oui, vous éloigner d'un... ouais, c'est ça, fardeau. Il y a la paix par rapport... Il y a l'apaisement et on a le 4 d'épée hein, tout à l'heure. Donc, le repos. Le repos qui ressort de manière flagrante. On avait quoi? Est-ce qu'on a eu du... Non, du 10 de bâton. Voilà, fin des galères. L'impératrice, hein, émancipation. Même si vous êtes un homme, l'impératrice va représenter votre propre aptitude à créer par la pensée, par la communication, de la douceur, de la diplomatie, de l'acceptation de soi. Donc, forcément, un magnétisme. Et vous vous libérez de quelque chose... Alors, un fardeau du style aussi... religieux, ouais, dans l'éducation, j'ai l'impression que c'est pas vous, vous n'êtes pas né dans ces conditions-là, mais on vous a éduqué avec l'idée que, voilà, il fallait pas s'habiller comme si, il fallait pas avant le mariage, il fallait pas ceci, il fallait pas cela, et que vous n'étiez
pas vous-même et que là, il y a une renaissance dans le sens je peux enfin exister sans me préoccuper du qu'en dira-t-on, sans me préoccuper, voilà. Et que là, les choses commencent à prendre de l'ampleur. Il y a quelque chose qui arrive avec force, hein. Ça peut être l'autre personne aussi qui était dans cette configuration-là. Travail, ancrage, famille. Alors là, on a une autre personne. Et qui vient aussi, qui vous yote, hein. Pardon, mais oui, on a... Alors attention, parce que cette personne aussi, elle peut être... Bon, il y a le cœur, il y a les projets. Ouais, on va voir. On va voir ce que... Ah, tout est ouvert, mais bon, dans tous les cas, il y a du 4, du 3 fois du 4 de bâton, qu'est-ce que vous voulez. Enfin, voilà, avec l'étoile, le 9 de coupe. Alors là, on a... Alors, ouais, peut-être les réseaux sociaux, invitations. Ouais, je pense qu'il y a eu un travail, un rituel très précis qui a été fait. Alors, je vais prendre celui-ci, tiens, en parlant de rituel. On va regarder un petit peu. Guerrière. Moi, j'ai vraiment cette sensation que, la victoire est déjà là parce que vous avez déjà... vous êtes déjà émancipé du besoin d'être validé. Je pense qu'en tant qu'enfant, vous avez passé de nombreuses années à marcher sur des œufs, à vouloir plaire à quelqu'un de toujours insatisfait. Enfin, ou une maman, hein, j'ai la figure maternelle avec la reine d'épée, la reine de coupe de foie, la reine de denier. Donc, il y a trois reines qui sont ressorties. Pardon, je vous les montre. Ça va être plus clair parce que ce que j'ai, moi, sous les yeux est évident. Et donc on a reine de coupe deux fois, reine de denier et reine d'épée. Donc il y a vraiment ce côté protection, peut-être dans l'enfance qui n'a pas eu lieu, par la figure qui est censée le faire. Vous voyez, c'est ça qui m'est venu. Donc finalement, la sensation de renaître, parce que effectivement, on a pu avoir dans l'archétype, hein, j'ai la castratrice et l'étouffante, et que vous, en tant que mère ou future mère, y a eu besoin de travailler l'émancipation du regard, notamment par le corps, le travail physique, d'acceptation aussi, 10 de bâton, ça a été laborieux. Hein. Mais bon, ceci dit, voilà, c'est terminé. Je pense que là, c'est de l'histoire ancienne et maintenant, on avance le passage. Oui, il y a l'éveil au Stara. Alors, il y a j'ai Pâques, j'ai le printemps, sororité. J'ai aussi quelque chose qui s'est réglé au niveau de la lignée féminine familiale. Voilà, lignée féminine familiale. Concerne plutôt de mère en fils ou de mère en fille, voilà. Mais justice, alors équilibre, allez regardez, la lignée, ouais c'est ça. Ouais, vous êtes délesté d'un fardeau. Vous êtes délesté d'un fardeau et de ce fait, j'ai l'impression aussi que c'était concernant les mariages dans la famille ou l'obligation de se marier ou les mariages forcés. J'ai le mot mal marié, alors qu'il date du Moyen-Âge, mais bon, ça, c'est l'époque qui veut ça, donc c'est normal, il n'y a pas de voyance ou il n'y a pas de grand flash médiumnique, hein, c'est juste logique. Cependant, ça ne vous étonnera pas si vous avez fait ce travail-là. Alors... ouais, ça va dépendre. Là, c'est une guidance YouTube, mais en fonction de vos situations, de où vous en êtes, moi, je sais précisément à qui ou vers quoi vous pouvez vous tourner pour régler ça. Et si vous l'avez fait, chapeau à vous, parce que des fois, c'est un bagage qu'on porte, hein, c'est le chandelier de mamie dans le bagage, et quand on se rend compte que ça nous alourdit et qu'il faut s'en délester, parce qu'il y a aussi une valeur, des fois, sentimentale, hein, un truc familial... ça peut être même des fois une blessure, hein, on a du mal parce qu'on connaît pas la suite, on connaît pas ce que ça fait, donc forcément, il n'y a aucun modèle. Ouais, il y a ça, et puis pardon, ça m'enflamme, mais j'ai l'impression que c'est vous, que vous conscientisez que c'est vous, votre propre modèle, que vous êtes le pionnier ou la pionnière, enfin la pionnière, parce que j'ai un public principalement féminin, mais que... Ah, la loi, les règles, ouais, que c'est à vous maintenant d'édicter
Bah, comment ça se passe, quoi, vos limites, vos décisions, elles sont assumées, et c'est en ça qu'il y a un passage que ça y est, c'est tout nouveau, et ça y est, enfin, on avait la clé, hein, ouais, la clé, regardez, je vous montre, il y a un déverrouillage, il y a quelque chose qui se, ça y est, c'est comme si on vous autorisait à passer de l'autre côté. Et pour certaines personnes, je sais précisément ce que je pourrais vous conseiller. Là, ouais, y a des choses qui me viennent. Donc, je vais les garder pour celles et ceux qui veulent une guidance privée pour aller plus loin. Alors, abondance, voilà. Donc, c'est vraiment le côté lignée, familiale, sécurité. On a l'aventure, adaptation. Donc là, on vous dit, préparez-vous au nouveau, hein. Soyez... Ne vous faites pas d'idées préconçues de comment ça va se passer, juste vivez que ça se passe. Voilà, c'est un message pour celles et ceux qui regardent ce choix 3, mais vivez-le, vivez-le. Alors, bouleversement, choix. Alors, une personne qui ferait volte-face, la chute, l'instant présent. Alors, vous voulez... ouais, je pense qu'il y a une personne qui va vous dire avec toi, je plonge dans l'inconnu ou je plonge dans le grand bain. Ça y est, je décide de me lancer. Tristesse, tempérance, maîtrise de soi, conflit. Ah, il y a eu... ouais, et c'est pour ça qu'on a aussi la paix et l'invitation. Alors, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qui a pu se produire? Hop là, allez, timidité, bienveillance, nostalgie. Ouais, là c'est deux fois la reine de coupe, on vous dit d'être sympa envers vous-même, hein. Ouais, et défensive, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il y ait ce mécanisme. Au vu, on va dire, de la figure du modèle, c'est normal. Alors, cependant, il y en avait trop, hein. C'est pour ça que je brasse de nouveau les cartes. Et que je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, un message clair pour nos amis du choix 3. Confusion. Alors je vais la mettre là, comme les autres. Confusion, d'où amour. C'est la notion, enfin c'est le concept. L'amour de soi qui a été travaillé, la confiance en soi. Et voilà, associé à la culpabilité. Moi je pense qu'il y a eu... un modèle décourageant. Non, mais tous les hommes ceci, les femmes cela. Enfin, vous voyez, il y a eu cette, je vais pas dire une éducation, mais il y a quand même eu ce discours-là qui vous a entravé, quoi. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Ouais, je fais mes courses là, hein, je vous le dis. Parce que j'ai envie d'adapter aussi à ce qui ressort. Et je veux voir s'il y a la carte de l'héritage qui sort de la ligne ou de quelque chose de cet ordre-là. Alors, là, il y a la femme, la pensée de la femme. Déchéance. Quelqu'un qui a tout perdu. Alors, hein, on n'est pas loin. Bien-être, patrimoine. Et justice. Alors. Qui fait tout pour garder. Ouais, j'ai le giron qui fait tout pour qu'on ait besoin d'elle. Et vous émancipez de ça. Alors, ouais, j'ai encore l'idée de maternelle ou trop maternante. Des fois, c'est étouffant. Hein. Même la reine de denier. Alors, toutes les reines ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Et. Ouais, avec la girouette. Union. Enchaîné, la pie, quelqu'un qui est encore sous la coupe. Révélation. On va voir ce que ça nous dit, hein. Labyrinthe. Confusion, labyrinthe. Pour qui c'est laborieux, pour qui c'est... Elle sait pas comment faire. Elle sait, mais elle sait pas comment faire. Distinction, honneur. Ok, une dernière, la lumière. Bon, pour moi, ça va bien se passer. L'idéal, solitude, union. Mais il y a eu je vois des chaînes, j'ai le mot esclavage, ou soumission. Voilà, l'idée du couple, oui, j'ai vraiment les femmes mal mariées au Moyen Âge, ou même jusqu'à pas longtemps, hein, finalement.
ça, c'est pas forcément vous, mais dans la lignée, voilà. Il y a ce bagage-là et des croyances à nettoyer. Alors, abondance, sérénité, magicien, donc une transformation, on se fait deux fois, qu'on a cette notion de transformation, de transmutation des énergies. L'abondance, c'est la fluidité, hein, donc il y a aussi cette notion, regarde, la lune, maternité. Alors, ok, celle-là est tombée. Espoir. Alors, il y a un message quand même dans la séparation, c'est se séparer des mécanismes qui nous entravent. J'ai vraiment ce mot entrave, chaîne. Voilà, c'est pas dans le lien, mais ça va aider le lien à... Oui, c'est vraiment l'image de soi. Dans la sexualité, j'ai l'autorisation à être dans la séduction, à être soi-même, voyez. C'est un peu comme si vous disiez, non mais dès que j'essaye de draguer quelqu'un, je me sens tarte, ou je me sens laide, je me sens moche, je me sens con, je me sens conne. Enfin, il y avait ça dans la timidité, voyez. Il y avait une notion de honte ou de culpabilité, et finalement, bah, il n'y a plus lieu d'être. Alors attendez, il m'en manque une quand même. Ok, il y a aussi le nettoyage du chakra racine, parce que je pense qu'il y a eu au niveau du... Ouais, il y a eu du... Alors ça parlera pas à tout le monde, mais certaines personnes sont nées d'une relation qui a été imposée. Voilà, je dirai pas plus, mais... Lumière, et engagement... Positif, épanouissement, voilà. Donc là, on revient à notre sujet. Effectivement, moi je vous l'ai dit depuis le début, ça va très bien se passer. Mais voilà, il y a eu cette compréhension à avoir de où vous en êtes. Ça peut être aussi la personne en face de vous, hein. Enfin, peu importe la configuration, de toute façon, vous vous êtes supposé vous reconnaître. Alors, jeunesse. Dans la jeunesse, il y a eu quelque chose. Mensonge. Mensonge de famille aussi. Pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Regardez, attendez, que je range pas trop vite. On a affirmation de soi. Infidélité, argent, je pense que voilà, ça fait partie aussi du lot. Hein. On se pose la question, est-ce que ça va être une personne fidèle, est-ce que machin. Alors vérité, moi je vous dis, il y a un secret de famille qui va éclater. On a changement. Oui, on a un lien très fort avec une personne en face. Pour autant, fin d'un cycle. Chagrin d'amour, fin d'un cycle. Oui, la fin d'une transmission. Enfin, c'est marrant, mais... Alors, pour certaines personnes en séparation, retour à la communication. Ça ne veut pas forcément dire pour l'instant que vous allez vous remettre en couple, mais vous allez au moins pouvoir passer à autre chose ou régler quelque chose de pas réglé. Moi, j'ai la notion d'inachevé et qui va vous permettre de passer à la suite. Hein. On avait la carte du passage, la solution avec la clé. Même si tempérance est tombée à l'envers, on a quand même la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc, on vous dit, ça va s'éclaircir. Soyez serein. Voilà. On a la tristesse, on a l'amour. Moi, je pense qu'il y a eu une lignée de... Malheur en amour, voilà. Dans la famille, on a toujours été malheureuse en amour, on est toujours tombé sur des bonhommes machin, ou sur des femmes ceci, ou de... Voilà, vous transposez, il y a eu ce discours, ça ne prend plus avec vous. Voilà, vous êtes la pionnière. J'ai voulu faire un mix, la pionnière de la lignée, celle ou celui qui se détache de tout ça, et qui est prêt à dicter, à poser, bon bah désormais... Avec moi et mes enfants et les enfants de mes enfants et leurs enfants, ça va être comme ça. De la joie, du bonheur, de l'intégrité. Et voilà, ça y est, c'est dit. C'est comme ça. Il y a la règle, hein, il y a la justice qui est tombée. Moi, je pense que vous allez maintenant, avec la reine d'épée, je décide. Voilà, c'est bon. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a eu encore une emprise jusqu'à pas très longtemps. 58-52, j'allais couper la poire en deux, on va dire 54, vous voyez. Oui, même à 54 ans, il peut y avoir effectivement, je laisse faire. Alors changement, oui, effectivement, il y a un lien très fort. Alors j'aime pas parler des flammes jumelles, parce que après tout, voilà, vérité, c'est une dérive. Je ne vais pas parler de ça là,
mais on a effectivement ce lien qui est très très marqué. Je me libère. Ah, je te surveille. Bon. Alors, on se libère du besoin de s'assurer que l'autre n'est pas en train de d'aller dans une direction opposée. Parce que tout ce qu'on affirme en faisant ça, c'est qu'elle n'est pas là. Donc, elle continue à ne pas être là. Là, l'idée, c'est « Ok, je me libère de ça. » Je lâche prise, je me priorise, c'est tout nouveau pour moi. Il y a aussi l'égide, hein, sous la coupe 2. J'ai l'impression que vous aviez l'œil de Moscou sur vous au niveau familial et que maintenant vous vous libérez de ça, vas-y, c'est plus mon problème. Je prépare une vidéo à ce sujet sur la toxicité un peu ordinaire, on va dire ça comme ça, mais qui peut s'avérer très néfaste. En étant répété, en étant subi au quotidien, je vous prépare ça, voilà, j'en dis pas plus, je vous communiquerai quand ce sera finalisé. Alors, auto-sabotage, sentiment refoulé, sacrifice, hein, on avait la croix tout à l'heure, vous vous souvenez ? Je vous la montre, voilà, on a vraiment ce côté fardeau dont on se libère, on casse les chaînes, hein, regardez, c'est très flagrant. Il y a vraiment ce côté émancipation, plus d'obéissance envers un... Ah, j'ai presque le mot gourou en tête, hein, pour vous dire. Enfin, la figure d'autorité, une figure imposante, qui a voulu vous imposer ses propres règles. Je sais que tu es ma chance. Alors... Ouais, la personne, elle commence à se dire « Ah, bah oui, mais bon, est-ce que j'aurais pas été trop vite en... » Alors, ouais, je me transforme. Il y a encore cette notion de lien, de connexion très forte et de nostalgie. Personne, elle se remémore les bons moments, là. Elle sait qu'il y a... Moi, de toute façon, engagement, je vous l'ai dit, avec 3x4 de bâton... C'est sûr, maintenant, comment ? Là, il va falloir lâcher prise. On a un archétype fuyant. Ouais, qui se masque la vérité, qui est en mode « oui, mais non, mais machin ». Alors, laissez-la faire. Occupez-vous de votre bien-être au quotidien, de vaquer à vos occupations. C'est le meilleur conseil que vraiment je puisse vous donner là. Parce que l'autre personne, elle passe son temps à... Ouais, je sais que t'es ma chance, mais dès qu'il y a un pas en avant de vous, elle fuit. Alors, entre-temps, vous vous émancipez de certaines choses, des croyances en amour, que vous n'avez pas de chance, que de mère en fille, ceci. Et finalement, en travaillant ça, ça vous permet de rester occupé, de vous occuper de vous, de vous sentir mieux. Et on a l'autre personne qui commence à se dire « Ah !» Et si, voilà, pour susciter l'engagement chez l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle a là dans le... Je rêve de toi. Alors pour l'instant, c'est pas encore concret, hein, si c'est un rêve. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors ça ne veut rien dire. Cette phrase, je suis désolée, mais ça ne veut rien dire. Voilà, mon inconscient parle. Oui, alors c'est bien, ça vous fait une belle jambe que la personne, elle rêve de vous, mais s'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de concret, on peut pas, voilà, on peut pas non plus... Alors il y a un oui, hein, voilà, je m'enflamme parce que il y a des fois où ça veut rien dire, hein, on va pas se mentir, c'est pas une critique, c'est juste une constatation. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors elle va surtout se rendre à l'évidence. Ça, c'est encore quelque chose que j'avais dit tout à l'heure, et on vous parle d'un oui. Donc oui, c'est pour ça qu'on a l'étoile et le 9 de coupe en position d'aide. Continuez à y croire, continuez à vous valoriser, continuez à vaquer à vos occupations. La vérité n'est pas loin, elle n'est pas ailleurs, hein, elle est là. Seulement, c'est dans la détente. Alors avec le voyage et la détente, j'ai aussi détourné son énergie de la personne. Vous voyez, avec la carte de la surveillance, il y a vraiment focalisé toute son énergie sur la personne, ce qui fait que la personne, elle est
Oh non, c'est trop lourd. Quand je pense, par exemple, vous, votre prénom, c'est. Alors, je vais dire Y, parce que sinon, je vise. Voilà, il y a des personnes qui vont se sentir visées. Donc, vous appelez Y. Et l'autre personne, elle s'appelle X. Et Y, quand elle pense à X, X ressent de la lourdeur. Elle se dit, non, mais dès que je pense à elle, c'est. Ouais, j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça, le fuyant. Maintenant. Y, donc vous vaquez à vos occupations, vous faites vos trucs, etc. Et la personne X en face, donc votre autre, elle se dit, mais tiens, que devient Y? Et si je lui envoyais un message? Voyez, je vous laisse avec ça. Non, d'abord, je vous laisse pas, parce qu'il y a ça aussi. Alors, continuez à travailler pour continuer à concrétiser des choses, parce que c'est pas loin. Pour moi, ça va se concrétiser, ça va aboutir. Alors, un engagement, enfin en tout cas une implication de la part, si elle n'est pas du tout impliquée en mode ouais, on verra ça plus tard ou c'est encore au stade de la rencontre, pour susciter l'implication, l'engagement, c'est déjà en étant engagé envers vous-même à vous respecter. Et si vous vous parlez avec encore les stigmates de tu trouveras jamais l'amour parce que dans la famille, c'est laborieux, 10 de bâton, mais vous allez y arriver. Mais là, la personne, elle va déclencher un. Moi, je pense que. Non, il y a déjà eu un déclic. Mais c'est avec elle que sera marquée la fin des galères, vous voyez? Et avec elle, il y a une véritable possibilité d'engagement, d'union, de mariage. Donc voilà, c'est vous êtes son idéal aussi. Vous avez le droit de penser comme ça, hein, de vous dire, mais après tout, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de valable, j'ai pas non plus cinq yeux partout sur la tête, j'ai pas trois bras, j'ai pas. Enfin, voilà. Et quand bien même, en m'acceptant tel que je suis, je suis valable, j'ai ma valeur. Donc. Bah, l'autre personne en face, elle va se dire, hey, tiens, que devient, enfin, qu'est-ce que vous devenez? Hein, vous me raconterez, bien sûr, en privé ou en message. Alors, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir des conseils, d'avoir, alors, on va dire plus de conseils personnalisés, n'hésitez pas, je suis là, je suis bel et bien de retour avec une connexion Internet à moi, stable, que je peux contrôler avec la fibre, donc ça va aller très vite. Et je vous remercie en tout cas de votre patience, parce que le mois de mai étant occupé à déménager, j'avais pas la tête à faire des vidéos. Maintenant, ça y est, je suis là et 100% dédiée à vous analyser vos petites énergies, vos grandes énergies, les grandes énergies de l'univers. Et on se retrouve très très vite, parce que j'ai plein 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 de projets sur le grill, donc je vous proposerai ça en temps et en heure. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!